Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming, bam on achète ça, c'était bien. Une grosse intro, pas meilleure intro du monde. Meilleure intro du monde. C'était sûr en fait. Donc on a débloqué le set d'alchimiste confirmé. Il va falloir remettre des gens à travailler de la carcasse. Et va falloir remettre une personne sur de la carcasse, puisque il y a toujours Tirailleuse qui est sur une fourrure. Qu'est-ce que j'y mets moi Je peux pas mettre la petite dernière. Laisse les deux qui galèrent là avec leur shield là à taper sur leur machin là. Non, j'ai mis le gros. Ça va bien se passer. Tu sais que ma vigue est quasiment ni. Non, elle a 50% du niveau, ça va. Eh ouais, c'est celle qui était le plus en retard. Bon, elle est en train de remonter, mais potentiellement après ça va être Stevian qui va traîner de la patte. Et en fait, les deux lanciers traînent de la patte de manière générale. Honnêtement, celui qui traîne le plus de la patte sur l'XP, c'est Taurus là. Et Taurus, oui, qui commence à galère sa mère sévère. Il est vrai. Taurus, Mélanine, en fait tous les personnages qu'on ne peut pas enlever de leur poste sont en train de galérer. Ah c'est ça. Il va falloir les décrocher de là. Hein. Ma Vig, elle commence à prendre le lead. Hein. Elle est à Lieutenant Will. XP. Ouais, Lieutenant Will est le moins XP. Hein. Ouais, mais elle était grave en retard. Mais maintenant, sauf que vu qu'on a amélioré le mannequin, il sauce. Hein. Et ils sont ça, les compagnons insignes gagnent 20%. Hein. Ouais. Et au passage, le coût pour acheter des points d'attribut avec le plan de carrière est réduit de 50%. C'est-à-dire que même quand on veut les faire passer de niveau, idéalement, faudrait les mettre dessus. Non, c'est le bonus. C'est passif. Là, c'est seulement okay. Quand c'est compagnons assignés. Hein. Sinon, là, c'est. Ah, donc c'est 20% de PEX hein, qui prennent. Hein. Tous. Non, c'est les compagnons assignés. Hein. Ah oui, oh, pardon. Les compagnons insignes, c'est les compagnons humains gagnent 7% d'expérience supplémentaire en combat. C'est vrai. En putain, combat. 7%. Donc c'est eux, fort, à chaque fois qu'on fait une sieste, ils prennent 20% de leur jauge d'XP. Techniquement, si j'ai bien compris. Ouais. C'est-à-dire que normalement, si je comprends bien le jeu vidéo, 5 nuits égale un niveau. Hein. Non, je pense que c'est 20% de. Bah de quoi? Parce que c'est pas de combat, hein. Non, c'est 20%, c'est 20% de l'XP quand ils sont assignés aux compagnons assignés. Je crois que c'est 5% de la barre d'XP qu'ils gagnent à chaque fois. Donc maintenant, 5% de 20, ils gagnent 7%, un truc du genre. Ah, c'est ridicule. Ça peut pas être ça, sinon c'est ridicule. Bah 7%, c'est pas ridicule hein, sur une barre. Hein. Regarde, Un combat, ça nous fait quoi? 3 ou 4%, un truc du genre 20% de 5, en plus, ça fait même pas 7, ça fait 6. Ça ferait 6 XP. 6. C'est-à-dire qu'on gagne moins que les autres qui sont en combat? Ouais, bizarre. Mais pas improbable. Ça, c'est pendant le repos. C'est pendant le repos. Oui, pendant le repos, mais ouais, ok, bah ça marche. Bon, bah 6 XP. Ça veut dire que eux, ils font un combat supplémentaire par rapport à nous. Ouais. À chaque fois. Ouais. Mais ouais, je vais la passer. Je vais la passer 10 parce qu'il faut absolument qu'elle aille chercher de la force. Impératif. Ouais. Évidemment. Et faudra peut-être monter sa masse aussi, un de ces quatre. Bah, du coup, on augmentera sa masse. Parce que. D'un niveau. Deux niveaux, monsieur. Elle est niveau 9 là, sa masse. Hein. Non. Elle est niveau 9, ok. Ah oui, mais requiert le niveau 8, effectivement. Effectivement. En fait. Tu te fais toujours avoir par le gros du truc. Bah ouais, mais en même temps, c'est écrit niveau 9 en haut, ils font chier. Mais oui, requiert niveau 8. Ouais, c'est vrai que tes armes ont un niveau de plus que. Bref, c'est un peu toujours chelou, mais bon, c'est pas grave. On les aime bien quand même. La passer niveau 10, déjà le plus vite possible pour récupérer de la force. Mm-hmm. Améliorer donc sa masse, comme on a dit, de 2 niveaux. Voire même si je peux l'augmenter d'un niveau entre deux, c'est pas mal. Et comme ça, après, je peux la réassigner à son truc de barde, qui nous donne quand même un de volonté, ce qui est quand même pas sale du tout. Le volcan. Hein. On n'a pas fait à manger. Ah oui, ne levons pas le camp. Cuisinier en chef. Chef cuisinier. En fait, si t'as fait à manger, mais tu n'as pas servi la bouffe. Exact. Je refais quelques trucs vite fait. De bout de pain. Enfin, dire que je me réserve le blé du début du jeu pour une recette que je n'ai toujours pas. Le mat fin aux pommes. Le mat fin aux pommes, c'est la première recette que t'es censé croiser dans le jeu, et le jeu maintenant il t'incule, il te la donne pas. Vraiment.
Ah, on l'a le matin aux pommes, non? Oui, on l'a, mais on n'a pas de pommes. Non, on a. Si, on a, non, on a même pas de pommes. Je crois qu'on a plus de pommes. J'ai si. Une pomme. Non, non, j'ai 50 pommes, j'ai rien dit, excuse-moi. J'ai, on a, nous n'avons pas de miel, puisque évidemment, maintenant ils ont décidé de foutre du miel qui est devenu la recette, la ressource du coup la plus rare du jeu. Évidemment, hein, légendaire doré. T'en as besoin pour le porridge, le fruit confit, le. Le matfin aux pommes. Le matfin aux pommes, la recette. Toi, t'as un truc d'alchimie, ouais, c'est ça. Ouais, qui te permet de faire revenir les rats. Qui est honnêtement très très fort. Pas grave de ouf. Ouais. Grave de ouf. Boum. On est bon, on peut se reposer. Ah, ou alors je nous mets une picole. Non, on s'en fout, pas de picole. Non, vas-y, pas de picole. On a réussi à soigner un trait d'alcoolique. On va réussir à soigner le deuxième. Ouais. 300. Mavic. Mec, t'as vu combien elle gagne, Mavic, d'XP à chaque retour? 307. 307, on gagne par combat du 55. C'est 307, bien 20% de ma barre d'XP. C'est bien 20% de ma barre d'XP, quasiment. Ils en ont nerf un peu. Pourquoi ils en ont nerf d'ailleurs dessus? Non, c'est 10% de ta barre d'XP. 307, ouais, c'est 10% de ma barre d'XP. Tu gagnes 10% d'XP à chaque fois? Un peu moins. Un peu moins, je dois être à 9% de barre d'XP total. Parce que si j'avais gagné, si j'avais gagné 10%, j'aurais gagné 334. Et j'ai gagné 307, c'est ça? C'est fort, ouais. 307. J'ai gagné, ouais, 9% de ma barre d'XP. Tiens. Ce qui est du coup costaud, puisque ça veut dire qu'en 10 nights, tu passes un niveau, quoi, grosso merdo. Ouais. Alors attends, que je fasse un calcul. En tout, là, au niveau du multiplicateur d'XP qu'on a, on a un 20% pour les bonus globaux qu'on avait pris. Avec le bonheur, on a encore 20%. Ça nous en fait 40. 40 plus 7% d'XP en combat. On se met du 47% d'XP supplémentaire par combat. À part s'il y a un truc dans les voies que j'ai pas compté, mais sinon c'est 47% d'XP supplémentaire par combat. Ce qui est somme toute pas dégueu du tout. Ouais, c'est ça, 47%. Ok. Bah, let's go. Hein. On se fait des rats? Non. Non, pas de rats? Non, on va à Marheim récupérer notre bifton. Ah, il y a un truc dans la forêt qui a pop là-bas. Des champignons. Il y a des ours sur notre route. On les embrouille ou on les embrouille pas? Comment ça se passe? On est en embuscade, on peut tenter de les... Tu veux les boucaquer? C'est notre combat du jour. Oh, allez, hein. Attends. Trop tard, c'est boucaqued. En attaque surprise. Je voulais passer par derrière pour les vraiment les embusquer. Bah là, c'est en attaque surprise. On est bon? Ouais, je sais pas. Je sais pas comment fonctionne l'embuscade. Il y en a 7 ouais, quand même, hein. Il y a du gros, hein. Ouais, il y a du gros. Alors, un capitaine au milieu, paf. Un gros par là, un lancier par là, c'est bon, j'ai encadré mon capitaine, le reste, je fais comme tu veux. Attends, je cherche Sylvain, là. Allez là. Bon bah je la bouge pas. Arrête là. Ouais. Les lanciers sont passés un peu à la zone, ouais. On s'en fout. T'as une place pour un lancier ici si tu veux, qui est pas mal. Ouais, ouais, parce que je suis en train de me dire, c'est bien que Taurus soit pas non plus si excentré que ça par rapport au reste. Ouais, moi par contre il y a Tyrius qui est très excentré, je vais la remettre là. Sophia qui est excentrée, c'est pas dérangeant. Edenal, j'aime pas trop la voir en centrale, je préfère avoir Zinlen en centrale. Ok. Zinlen il avance pas, tiens je le mets devant Stevie, hein. Comme ça il s'en fout, il est entouré de boucliers, mais il aura moins de distance à parcourir pour se placer. Ça te va? Ouais. Oui, bah là j'ai même pas de distance à parcourir, hein. je fais un pas. Je sais pas selon les ours que tu voudras cibler, voilà. Au moins t'es pas et trop ben, mal. Donne des points. Et bah c'est parti. En plus là alors, t'en donnes 6 d'un coup. Est-ce que je peux en avoir plus que 6? Est-ce que je peux être genre ultra gourmand? Oui, extrêmement gourmand monsieur. Est-ce qu'il y a la nouvelle? Elle est où la petite nouvelle? Non, elle est cachée loin. Non, elle est un peu plus loin, ouais, elle est là. Elle est là pour causer. Zinlen, y'a pas besoin d'être déjà meilleur ami. Os de Bard, je suppose que je suis déjà meilleur ami. Les archers. Je suis pas encore meilleur ami avec Edenal. Non. Avec Stevion, mon mieux, Stevion. Il trouve le capitaine si viril.
Un peu trop viril, peut-être. Un peu dangereux. Après, niveau virilité, je sais pas s'il en a encore beaucoup, hein, à se baigner dans les flammes tout le temps. Je sais pas comment il fait. Il a plus beaucoup de poids. Honnêtement. Hein. Oh, j'ai un projet après. J'ai un projet à t'exposer. Parce que voyez-vous, j'ai un projet. J'ai un projet à la hausse de barbe. Ok. Mais j'ai un projet. Est-ce que tu vois le projet? Ah vas-y hein. Vas-y hein. En plus tu seras caché derrière ton rocher. Non, il faut que t'ailles te mettre, je pense, plus par là, hein, pour avoir vraiment une ligne. Hein. J'ai les 4. T'as les 4? Allez, let's go. J'ai les 4. Oh, ça va faire du pev, hein. Let's go. Surtout si t'arrives à leur coller du saignement. Oh, en plus, t'as dégagé mon capitaine. Non, c'est du génie, mec. Du coup, il va taper mon capitaine. Du coup, il va se prendre une gifle. Parce qu'il aura osé toucher un capitaine enragé. Qui se baigne dans ces flammes des 7 enfers. Oh, ah, du coup, oh, tous les ours sont en train de cramer, c'est un enfer. C'est un enfer du slip. Il y en a aucun qui crame pour le moment. Parce que si, il y en a un derrière mon capitaine, parce que bon, ouais. qui crame. Mais ils vont tous cramer, hein, par contre. Oh, ils vont tous prendre un saignement de fou aussi. Ah, bah oui, c'est des ours. 163, mais paye ta gifle. Plus 19 quand même, prends ta prime. Bon, c'est le bonus. 174, mais putain, il s'est fait infliger plus de dégâts à lui-même que. Waouh. Alors attendez. Attendez. Il y a un destin qui se dessine là. Attends, j'ai une proposition. Va dans le feu. Là ? Ouais, va dans le feu. Pour ? Va dans le feu. Ah oui, parce que je vais m'éteindre en courant. Ouais, tu vas t'éteindre encore. Bah, en fait, c'est pour ça que je voulais aller juste là et juste courir parce que du coup j'économise un peu plus de mouvement si je vais là. Ah, ok, vas-y. Parce qu'en fait, je pète ma course, tu vois, je passe là. C'est ça que tu voulais dire, hein. Ouais, c'est ça. Et comme ça, tu peux passer à travers. Et peut-être potentiellement avoir les 3. Oh, les côtes des enfers! Ce que j'aime, c'est que t'as vraiment le mec du Saint-Marteau et le mec des enfers juste à côté, quoi. C'est vraiment. C'est vraiment deux écoles, mais c'est méchant dans les deux cas. Ouais. Oh, par contre, comment je lui fais rien, quoi. Oh, mais la caisse à pef, quoi. Je l'ai. Bah, 800 PV d'un coup, hein, c'est toujours ça. Oh, je vais faire un truc. J'aurais joué Taurus, je t'avoue. Ah, d'accord. Pour vous donner le bonus à tous tes meurtriers. En fait, je voulais. Ouais, vas-y. Que je vais te donner à. En fait, Parce que là, j'ai tout le monde. T'as tout le monde, vas-y. Joue. J'ai tout le monde, je me régale là. Je me régale et si tu veux, je peux aller taper. Tu veux que je entame celui-là là? Tiens, je vais embrouiller celui-là au close. Vas-y, entame. J'entame, je fais gaffe au close. Ouais, oh, c'est pas important les pièges. Mon meilleur ami. Alors, il a un malus, ça c'est bien. Je vais l'engager avec ça. Comme ça, il a deux malus. Voilà. Coup de hache. Voilà. Courroux. Heurtoir tactique. Coup de hache standard. T'aurais dû faire le coup de hache standard de base. Avant le coup de. Le heurtoir. Ouais, t'as une chance de. Oui, de mettre pas mal de... Ouais, c'est vrai. Bien vu. Comme t'as pas mal de crit. Ah, il est pertinent. On va aller faire du meurtre. Ah là, ouais, c'est freestyle. Voilà. Alors, moi, à part si tu veux, après des bonus, tu sais, je déplace mes lieutenants, mes machins. Pas des points bonus, sinon. Sinon. Premier meurtre. Tu tout. Bah non. Et bah oui. C'est trop bien le lancer de couteau, hein, pour tuer des ours. Hein. C'est vraiment le mec qui a 0 PV, peut pas mourir. Bah si, t'es mort quand même, en fait. Deuxième meurtre. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Sur les fameux, hein. Les fameux couteaux de cuisine, couteaux de salle à manger. Faudra que je rende les couteaux à mon mec. De ouf. Allez, trois ours, c'est fait.
On aurait presque envie de dire what else. Bah rien d'autre parce que en vrai, je claquerais bien un petit point. Vas-y. Hein. Que parce que là, ah putain, je vais m'enflammer. On va pas t'enflammer. Hein. Bah, quoi que si tu veux t'enflammer, c'est pas ce qui te tuera, donc t'en fous. Mais... Ouais. Oh, je sais ce que je vais faire. Attends. Tu vas surkiffer ce que je vais faire. Mm-hmm. J'ai récupéré un truc. Ah oui, tu m'en rajed. C'est ça. Bien vu. À part si tu veux que je t'avance moi du tank, genre là pour prendre des caisses dans la gueule. Mais je ouais, crois pas je veux que... bien. Les ours ça se déplace. Ah oui, ici les ours ça se déplace à race. Hein. Les ours ça chope inspiration surtout, monsieur. Oui, oui, c'est plus comme avant où ça se déplaçait de 2 mm. Hein. En fait, ils ont speedrun tous les animaux qui avançaient pas. Bah, ils ont boosté les animaux pour les rendre rentables en fait. Ce qui est en oui, soi. Oui, parce qu'avant ils bougeaient pas, ils subissaient quoi. Mm. Bon. Bah, après, les ours, s'ils arrivaient au cac, tu disais non. Ça a combien de force un ours juste pour 61. Eh, ça a pas beaucoup plus que moi, hein. Ouais, par contre, c'est un peu plus de constit que toi. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux jouer? Oui, je veux jouer un Vinland. Ça marche. Je vais pas mettre deux zones, hein. Ouais, mais t'aurais je voudrais pu, taper. En fait. Tu veux que je mette une zone? Bah, en vrai, ma vigue, elle va s'attirer la foudre de deux ours, hein. Ouais, pas faux. Dans ce cas-là, je vais m'avancer un peu. Non, j'ai... Le mec qui est en train de jouer... Non, j'ai trop de chance de te toucher. Je vais taper celui qui est derrière. C'est pas grave. Faut apprendre à devenir immunisé aux flèches, comme le capitaine. En plus, ça passe crème. C'est très bien. Je vais peut-être m'avancer un peu plus. Ouais, par contre, si tu t'avances un peu plus, ouais, voilà, prends bien l'ours de gauche aussi dans ton cercle. Voilà. Un peu plus à droite. Là. Voilà, parfait. Ouais, tant que l'ours du centre, il est dans ton... T'as le centre de la base de l'ours, c'est qu'il est dans ton cercle. Ouais. Inspiration, moins 28, moins 11, et le petit saignement qui passe. Joli. Bon, le problème c'est que si je pousse un ours, je pourrais pas revenir vers toi, ou alors ça m'oblige à claquer une course. J'ai pas envie de. Et j'ai pas forcément envie de m'exposer à l'ours. Donc je vais juste. Ah! Sinon. Tu peux pousser celui-là dans. Je peux venir dans ici sans prendre de flammes doudoun? Des flammes de toutoun? Attends, viens ici. Je veux pas me mettre au cac. Que si tu peux le pousser dans la zone... Ouais, mais je le pousse pas assez loin. Je le pousse, mais pas assez loin. Parce qu'il est gros. Au contact d'os de barde, de mon meilleur ami. Après, je peux en prendre un autre et te le pousser dedans. Hein. Ça me fait un point de course, mais je peux te le pousser dedans. Et en plus, c'est un point remboursé, donc bon. Ouais. Tac. Alors par contre il n'y avait pas écrit que je prenais le feu donc c'est un peu dégueulasse. C'est pas grave, si tu cours tu te mets là et puis tu le pousses là quoi. Ouais. C'est ça. Attention. Pas mal. Berserk, il lui reste 0 PV. Il est bon, il est gratos. Il est gratos. Toi. Oh le bâtard. Le petit malinx. J'aurais dû m'avancer un peu plus. Bon. Alors, moi je te propose... Au moins 2 kills gratos. Je te propose de faire... ceci. Ça. Ça. Et je vais terminer l'autre, ici. Ah, on peut déjà gagner là, alors qu'il y a deux ours vivants. Ouais. Bon, on va chercher les deux derniers ours, hein. Yes. On va chercher l'XP surtout. Il gagne trois fois rien. Je vais me mettre là pour pas trop m'exposer. Faudrait qu'on regarde combien on gagne par perso sur le combat là. 210. Ça, en vrai, ça va, ça fait quand même. Ça met un quart de PV, hein. 210 PV que tu lui mets? Ouais. Ah oui,
pas mal du tout. Hein. Allez, un petit coup critique, tu m'as saignement. Non, t'as décidé que non. Tu vas repousser, tu vas rembourser ton point. T'as décidé de vraiment pas mettre de critique, toi. Toi, t'en mets un. C'est pas mal. T'es bon. Un PV. Il meurt dès qu'il peut. Et toi, bah, pour le coup, t'es pas très très utile. C'est dommage. T'aurais pu faire quelque chose de constructif avec elle. T'aurais pu aller voir Sophia et soigner Sophia des flammes. Ça t'aurait fait un peu d'amitié avec Sophia. C'est vrai. En vrai, on a assez de points pour les finishes. Je peux prendre un lieutenant pour pousser. Vas-y. C'est gratos. Alors, je peux même faire un peu mieux. Je peux me mettre là pour le pousser en plus de ça dans le piège si jamais. Si jamais ça suffit pas. Il prend son berserk et il est mort. Un petit 301. Il a 30% de dégâts supplémentaires. Bah il reste plus que... Ma vie, bah je vais l'embrouiller. Hein. Vas-y, embrouille-le. Coup de masse déjà. Voilà. J'en fais pas plus. C'est ce petit coup de marteau divin qui tombe sur sa gueule. Bah un petit tour. Flamme de Dune. Ah non. Un Taurus. Non, c'est pas un Taurus, c'est un capitaine. Possédé du démon. C'est un autre degré de bourrinisme. 227. Waouh. Je peux tester un truc avec Zilen. Je voudrais regarder combien je peux mettre avec ma flèche max après là. Oh, vas-y, hein. Si le perso veut bien mettre un critique. Voilà, je t'en prie. 60% de chance, hein. T'es prêt? T'as pas le bon perso. Putain, excellent. Je suis vraiment une ordure. Bon. Oui, mais ménagère. Une ordure ménagère. Oh, ma blague, elle est tellement d'extrême droite. J'en ai marre. J'en ai marre. Est-ce que quelqu'un veut bien abattre ce gros truc là? Ouais, ouais, ça part. Ça arrive. Voilà, petit coup de couteau. Voilà. Terminé, le on en parle. Petit coup de couteau. C'est le petit cure-dent qui est envoyé. Boum. Ça se range par là. Ça part ici. Oh, j'ai récupéré de l'ours, super. Et un peu de gras. Le gras d'ailleurs, non, ça va là. Parfait. Ah, réparation. Moi j'ai plus un seul pet d'outils de répa. Il va falloir que je commence à. Ah. Vous avez bien fait donc d'en acheter à l'occasion. Hop 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 hop. Regarde les marchands, qu'est-ce qu'ils ont? Je suis sûr ils ont des trucs sympas. Ah, ceux-là, ouais, en général. Et c'est pas des gardes. Ils ont des peuples. Regarde, il y a un champignon par là. Il est très beau. Non, regarde de l'autre côté. Mais non, mais il est pas, il va dans ta direction. Regarde, moi, je vais l'accueillir des champignons. Les gens voient rien, ça se passe bien. Et arrête de faire le malin, t'es resté tout seul de ton côté. Allez, hein, faut passer derrière la garde. Endele, il est golas. Quoi? T'as touché le... Mais je veux pas vous parler. Ah si, attends, lui peut-être, bonjour. J'ai pas assez d'argent pour passer la frontière. Je ne sais plus où aller. Oui. Bah, nous, si tu veux, on se file un billet, frère. Hein. C'est des choses qui arrivent. Ah. Ouais, peut-être falloir faire ça un jour. Hein. Ouais, un jour. Au revoir. On dit ça juste parce qu'on veut pas s'embrouiller avec la garde, alors qu'on passe notre temps à s'embrouiller avec la garde. Hein. C'est bon pour ça. Toi. Là, j'ai repéré un truc. Il brille. Là, ça c'est la quête principale. Ah bah c'est un chicot. Là, il y a un truc qui brille. Là-bas, il y a une Syrie. Ah ouais, carrément, let's go, vite. Regarde, il y a une autre souche qui traîne là, c'est pour toi ça, l'alchimiste. J'ai récupéré du bois. Oh, excellent. La Syrie. Il y a toujours des gens là? Ouais, des gens, c'est ici. Des... Je peux pas spoil YouTube. Ah oui, spoil pas YouTube. Ah oui, j'allais dire que je peux pas couper de bois, oui, c'était l'autre tas qui est au fond. Mais y'a un tas avec une hache dessus. Us. Allez Stevie. Anne. Us. Allez les garçons, dites avec moi. Je sais pas pourquoi. Ça lui est tombé dessus. Je sais pas.
Je sais pas pourquoi. On ne choisit pas, ça arrive. Il y a des choses comme ça. Alors, regarde, ouais, il y a encore un bout de bois pourri là. Let's go. Ouais, ouais, ouais. Regarde, on va éviter de passer par la route. Les gardes oui, vont pas oui, nous faire oui, oui. Regarde, j'ai même mis un piton, je me rappelle, t'as vu. Ouais, ouais. Ouais, de l'autre côté, mec, il y a un spot de pêche. Non. Il y a un spot de pêche de l'autre côté. Est-ce qu'on peut y aller à la nage? Non, on peut pas encore nager. Le lieutenant qui demande. Dommage qu'on puisse pas poser des barques ou des canoës, tu vois, des petits pontons de pêche, des trucs comme ça. Ouais, des petits pontons. Ça aurait été rigolo. Pourquoi je suis allé là, moi? Bah pourquoi pas, en vrai. Peut-être des choses à faire. J'ai rien à faire pour le moment. Ah, attends, je te remonte des trucs chelous déjà là-haut, là. Voilà. Attends, j'avais un bon char aussi sur moi. Je te remonte un bon char. C'est où le bon char? On a plus de bon char, non? Il y a du bon char, là. 9 bons chars. Du bois, je te remonte du bois. Hop, on a un peu de bois. Qu'est-ce qu'il va falloir bricoler? Des carcasses, il faut que je remette des carcasses à l'étendoir. Vérifie que tout le monde ait une huile sur ses armes. Ah, t'as pas d'huile sur certains de tes persos? Moi, ouais. Il y a certains des persos que je n'ai pas d'huile. Professionnel, c'est ouais. Mélanie, c'est bon. Et toi, bah t'as vraiment pas d'huile dessus, du coup. Il faudrait une huile de crit, idéalement. Et si je peux te faire une huile de force, ce serait pas mal. Ou une huile vaporeuse, ça fait quoi? Ok. Mais ok, ça veut rien dire. YouTube comprend pas ce que tu lui dis. Je vais me faire deux huiles, une huile de force. Mmh. Une huile. Et deux huiles d'affinage. D'affilage. C'est pour qui d'ailleurs? C'est pour la nouvelle? La petite nouvelle, ouais. Mais t'avais pas... Attends, tu fais deux huiles, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qu'on a pas... Ah non, c'est... Oui, tu lui mets... C'est deux huiles que tu lui mets, d'accord, ok, pas de soucis. Hop. Ok, voilà. Okay. C'est bon. J'ai pial le truc. J'ai compris ce que tu voulais dire. Je comprends les mots qui sortent de ta bouche. Moi, mes persos, bon, j'ai pas regardé, mais Os de Bard, il en a deux. Mon mur, il en a deux. Totorus, il en a deux. Deux. Alors, armure pourrie sa mère. Et deux. Mmh. Faut changer l'armure des lieutenants. Enfin, d'un lieutenant. Qui va encore changer attends, d'armure. Je regarde si je peux pas refaire des essences vierges. Ah oui, le capitaine il a toujours la même armure. Il se trimballe toujours la même armure de le Hamata du commandant là. Depuis je sais pas combien de temps là. Qui est très bien, hein, mais ouais, y a qu'un seul renfort dessus quoi. Et en plus, c'est un renfort du cerf. C'est même pas un renfort. C'est même pas un renfort du serpent quoi. Dur. Eh ben moi j'ai terminé. Mmh. Ouais, j'ai refait un peu d'essence vierge. On a 4 poteries ou 4 fourrures ou un truc du genre à vendre avant de récupérer les trucs à la taverne. Moi, si je suis venu souquer les Artimus. Et récupérer un peu de picole. Souquons les Artimus. Alors vraiment, quand t'as un bard qui se pointe comme... Le bard en armure de plate. Allez. Aujourd'hui, t'as un peu perdu, bard. Aujourd'hui, c'est Rock and Stone. C'est clair, putain. Le bard en armure lourde. Faut que je fasse ça pour la classe des nains. Bon, quelque part, je l'ai déjà fait. Hein. J'en ai raté qu'un. On a gagné une petite maquette de bateau. Trop bien. Ah, t'as eu un level up. Trop bien. Crois que t'as... Paf. Into paf. Bah on a fait un peu de pognon avec... avec la petite. Et donc qu'est-ce qu'elle a gagné ma vig? Ma vig, elle a maintenant plus 5 en constite et 3 de volonté. Elle est solide sur les appuis. Ah, on a reçu votre mission.
Ah oui, on a fini son truc à elle. Je sais même pas ce qu'elle voulait. Please accept this recipe on behalf of the Brotherhood. Mm-hmm. Now that you've proven your worth, you can wear this lair with pride and are officially our allies. D'accord. Merci. Il y a donc un archer, un hachiste et un fourche. Bref, je crois qu'on peut partir, aller au marché, vendre un truc et ensuite revenir pour récupérer la prime. Ouais. Let's go. Let's talk. Ouais. Ah, on peut aussi se faire. Ouais, on fera ça après. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'avoir? Qu'est-ce que vous me voyez? C'était 4 fourrures. Bah, de toute façon, je crois qu'on va tout lui couler, à moins qu'on aille encore plus loin. Parce que je crois qu'il y a un village encore plus loin. Ouais, il y a un village encore plus loin. Et on va encore plus loin après. 4. Donc, on lui prend son genre. Ouais, son genre. Ses parchemins et sa pisse. Ses épices. Ouais. Problème d'art. Le chat, tu gênes toujours quand tu te mets là. T'es chiant. Ce tissu. Et on va lui prendre son ça, ses cordes. Voilà. J'ai dépouillé la madame. C'est bon. Ouais. Et vraiment, je suis arrivé. Je fais alors, je prends ton jean, tes baskets. C'est ça. Peur. Qui vend du miel là ici? Des pommes en promo, je prends. Putain, avec que 5 miel, tu te fous de la gueule de qui, toi? Putain, vraiment, hein. Ordure. Pourriture communiste. Bonjour. C'est ta gueule. Prends le poulet. Ouais, on a pas d'argent. Je peux pas prendre le poulet. On a pas d'argent. Vite, taverne. On aura de l'argent là-bas. Vite, taverne. Vite. taverne. Putain, on a pas d'argent, on a pas de bouffe, c'est la misère quoi. Donne l'argent, madame. Donne du travail tout de suite parce qu'on souffre. Un paysan, c'est facile, vas-y, on va lui casser le cul à ton payon. Allez, on accepte le. Non, attends. Ah, je peux pas le négocier du coup? Bon, bah, trop tard. Libérer la tour de la sentinelle. Ouais, on va aller taper des bandits à un moment donné, non? Ouais. Donc, on prend le moyen là, vas-y, on est chaud. On va te clean la région, vas-y, donne. Vas-y. Allez. En plus, c'est bien payé. On prend. Invasion de rats, on prend. Ouais. Ou on prend d'abord les squads de Stolas à démonter. C'est 260 balles. Oh, c'est gratos, hein. Allez. Il y a le repère de bandits en difficile, hein. Ouais, mais d'abord, on va descendre les autres trucs, on va revenir. On va lui négocier ça quand ce sera plus simple. Et parce que je crois qu'on est limité au nombre de quêtes qu'on peut prendre. Voilà. Ouais, voilà. Certain. Voilà. Allez. Voilà, on a bien rempli les stocks, hein, je crois. Je crois qu'on peut rien prendre d'autre, on peut toujours... Si. Ah si. Bon, allez, vas-y. Prend. On prend, on empile. Allez. File le pognon. Non, c'est raté. Dommage. Je peux encore en prendre, je peux plus en prendre. Hein. Pour le colonel, faudra patienter, faudra revenir après la pub. Hein. La colonel. Ou la colonel, oui j'ai vu deux LE, ça m'avait étonné. Je savais pas qu'on pouvait féminiser un... Bah si, général, ouais. Si on peut le féminiser, ouais, si. Hop, toi là, ouais, pose-nous un comptoir, ta gueule, construis ta... Ah, ferme ta gueule. Mais tais-toi. Le tais-toi, il est tellement vénère. Mais taisez-vous là, tu vends des trucs au moins. La dose de bordel qu'on a dans le coffre de Cortia. Ah, de Cortia. C'est où? Oh, Cortia, ici. Oh, ça va. Ah, mais c'est là qu'il est rangé le reste du matos. Eh oui. Ah ouais, mais si je veux les prendre, il faut les faire venir, non? Ouais, c'est 50 balles la stack. Ah ouais. On a laissé tout l'alcool là-bas. Dommage. On viendra plus tard. Tu laisses du grain un peu partout? Ouais. Ok. Pourquoi on peut pas lui parler? Pourquoi on peut pas lui parler? Parce que je suis dans le coffre. Mais elle a rien à vendre, non? Elle a rien à vendre. Qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, dans tel cas, les artisans de marine connaissent leur métier. Installer les coffres pour débarrasser. Ouais, donc elle t'apprend le jeu. Ah oui, non, mais c'est ok. Non. Ah, tu n'as aucun... Elle ne sert à rien. Tu ne sers à rien, madame. Tu veux aller où? Oh, 623. Ah, ok. Oh, on a autant de marchandises.
Waouh. Taxe sur les marchandises, il sera 32 balles. Hein. Pour aller les vendre à perte. Hein. En fait, j'ai pas compris l'idée de, des taxes sur les marchandises, parce qu'en fait, tu vends tout à perte. Je sais pas si c'est à perte en vrai. Bah là, même si je vais vendre 10 gemmes à 100 et quelques, à 150 balles, ça fait 1500, mais ils m'ont tapé la moitié quoi. Et je les ai achetés au moins à moitié prix, enfin à la moitié de ce prix-là. Donc tu bosses à perte. Ouais, tu te fais à peine une marge de 25% en fait. Même pas. Même pas. C'est, à mon avis, c'est vraiment allez, intéressant que si tu sais, t'as retenu que vraiment les gemmes, tu les achètes à cet endroit-là. Et si tu vas au plus loin là-bas, tu les vends au moins au double de leur prix. Et que là, effectivement, tu te fais une marge. Mais bon, en stade-là, vaut mieux y aller à patte quand même parce que tu te fais trois fois le prix. C'est ça. Je pense que l'intérêt réside dans le seul fait tu poses tes marchandises à un endroit et tu vas en récupérer. Tu sais, tu fais des allers-retours. Mmh. En fait, tu fais un stock. Tu poses tes marchandises à un endroit et puis bah après tu fais plus rien. La forge Non, c'était pas elle. Attends. Non, non, le marché d'abord. Oh là. Marché. Ah oui, il y a des poulets à récupérer. Il y a du poulet, il y a du poulet. Des poulets. En plus, ils sont en promo. Elle les a mises en promo entre deux. Alors. Elle s'est dit, ah, il me reste plus que sa vie. Tu sais, c'était la seule qui avait encore quelque chose sur le marché. Tu sais, c'est presque dommage que les étals ne reflètent pas la réalité du stock. Parce que là, ça serait vite. Bah, déjà, il n'y avait pas de poulet, il n'y avait pas de. Alors attends, allons voir notre cuisinier préféré. Voilà. Équipons-le de la louche. Il va falloir prendre un nouveau cheval. Mais non, c'est bon, ça va bien se passer. On va améliorer le harnais, t'inquiète. On peut se faire de la perche au chou. Nice. On peut s'en caler 8 dans le buffet. Pourquoi pas plus? Parce qu'on n'a pas plus de choux. Ah, donc faut réfléchir de ce qu'on fait de nos choux. C'est parti, ça part. J'ai pas envie de réfléchir. La perche au chou, elle fait quoi? On peut se faire une petite infusion de chambre supplémentaire. On s'en fait une. Le quoi? La perche au chou? Ouais. Je crois à rien du tout. Okay, fait de la merde, durée de la course augmentée de 10%. Voilà. Ouais, ok. J'aurais dû faire peut-être des brouets d'anguilles alors que j'avais enfin des anguilles. Ah oui, dextérité augmentée de 15%. J'aurais peut-être dû. Bref, nous sommes venus pour le mat fin aux pommes et on peut pas en faire. Ah, putain, faut pas. Ah, ça me dégoûte, je suis vraiment limité par le nombre de miel que j'ai, quoi. C'est ça me rend mal. Soit ça, soit des fruits confits, en fait, faut que je choisisse. Ah bah, je vais être obligé de faire un fruit confit. J'ai pas le choix, parce que j'en ai jamais fait. Quoi? Bah, j'en ai jamais fait. Fais-en un. On fait un fruit confit. Voilà. Et il va falloir que j'aille faire un porridge, parce que pareil, j'en ai jamais fait, normalement. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on peut se faire 4 ragoûts de porc. Ça part. Là, il me reste plus que un miel. Je vais pas gaspiller mes mat fin aux pommes. Je vais même pas gaspiller le miel parce que tu risques d'en avoir peut-être besoin. Non, non, non. Moi, là, il y a deux recettes que je connais qui vont être très, très intéressantes. C'est le chou farci. Mmh. Ou le poulet farci. Ouais, c'est le chou farci. Et Héricoque au mouton, qui va être intéressant. Ah oui, mais ça c'est oui, c'est plus pour moi ça. Mais mais il y en a aussi une qui va être très très intéressante, c'est le loup à la bière, parce que ça va très bien en combo avec. Parfaitement d'accord avec toi. Mais il nous faut plus de miel. Là, si on n'a pas plus de miel, c'est de la misère et hyper. Il va falloir poser du bordel. Le marché aux mille pattes. Non, la forge d'abord. Forge. T'as des outils d'ailleurs qui traînent dans le coffre du machin. Alors, j'ai pas compris c'est quoi le coffre du machin. Ah, 3, ok. Ton coffre de camp, t'as 3 outils, 3 matériaux bruts qui traînent. Tu disais que t'en avais plus, donc t'en as. Je crois que maintenant, même pour la réparation de groupe, le coffre de camp compte. Parce que j'ai pu réparer des choses alors que j'avais plus rien sur moi. D'accord, bah nice. Enfin bref. Je vais prends prendre ses ça. Outils, bon, je vais lui piller son charbon. Parce qu'on a le bon char, le bon char. Ouais, bah oui, le bon char. Non, bah attends, j'aurais bien mis un renfort du serpent sur le capitaine déjà. J'aurais bien fait ça. Colossal ou serpent normal? Bon, déjà qu'on a. Ah ouais, oui, on pourrait aller lui forger un colossal. Mais est-ce que. Est-ce qu'il est pas temps de changer l'armure du capitaine? Est-ce qu'il est pas temps. Alors, 17 de garde, 100 d'armure. 17 de garde, 100 d'armure.
Il a quoi comme armure 19 le de garde, 103 d'armure, 9% de crit. Il a. Je regardais, je comparais. Hein. En fait, il a le Hamata du commandant, une étoile, qui lui donne 1 de volonté, 7% des dégâts des attaques d'opportunité, ouais. 17 de garde, 100 d'armure, dont le renfort du cercle est dedans, donc en fait, il a 96 d'armure. Voilà. Bah, c'est ce que ça lui une armure en bah on n'a pas de givrassier. J'allais dire fais-lui une armure en givrassier mais non, on n'a pas. Non non, juste lui garder en vrai celle en givrassier, elle est pas beaucoup mieux. Elle est même moins bien techniquement parce qu'elle a pas le point de volonté en plus et ouais. Elle a pas les dégâts de pourcentage. Elle a deux elle a deux de garde de plus. Mm-hmm. En deux étoiles. En deux étoiles. Deux de garde de plus et elle a même pas 10 points d'armure de plus. Sauf qu'elle a trois emplacements. C'est ça qui est pas mal. Et que je suis en train de me dire, quand je là c'est vrai que j'ai 7% des dégâts critiques, mais quand je regarde Taurus, Taurus il a 9% de critique tout court. Ouais. C'est là où ça devient intéressant. Et il a pas des renforts du serpent colossal. Et on n'a pas les renforts colossaux là. Donc là il prend 6 de force et 9% de crit, alors que il a pas le top du top. Tu doubles. Ah ouais, c'est 18% de critique. Bah 3 x 6. Non non mais le pourcentage le pourcentage double. Bah en fait t'as 6% pour un renfort du serpent colossal, c'est 6% de critique, 4 de force. Ouais c'est ça, donc c'est bien même ok tout est doublé dessus. Oui ah oui c'est il y en a qu'un qui est pas doublé là, c'est le renard ou je sais pas quoi. C'est le renard qui est à chier. C'est nul. D'ailleurs on peut aller voir ce maître forgeron et lui vendre nos renforts du serpent parce que bah maintenant on va faire plus que des colossaux. Hein. Ouais. Voilà. Non, vraiment, mon monsieur. Forge aide. Il faut néanmoins que je te forgeasse. Attends, t'as pas mis le métier de forgeron à quelqu'un, toi ? Si. Eh ben, il faut que tu te forgeasses. Ouais, je ferai ça, mais toi, fais déjà les trucs importants, les trucs colossaux. Non, non, mais c'est pour les mains gauches, là. Ouais, bah, je vais le faire avec Sylvain. Les mains gauches, les renforts du serpent, ouais, bah, y a rien, je crois qu'on sort pas d'armure, on n'a pas de givrassier comme tu disais. Ouais, mais moi je vais juste faire les mains gauches, tu me laisseras faire les mains gauches avec mon perso. T'as pas que le ça colossal. À faire hein. Mais le colossal, je peux pas le faire, monsieur, c'est trop à la chaîne pour moi. Ah ouais? Bah, les compagnons. Tout doux, monsieur. T'as pas le droit de le faire. Bah non, il faut être maître pour pouvoir le faire. Ah d'accord, bon bah écoute, je vais le sortir. Ouais. Et je vais sortir les 4. Boum. C'est fait. Bah t'as plus qu'à sortir les armes fantômes, tu peux les sortir ? Les mains gauches fantômes ? Oui, oui, les mains gauches fantômes. Bah voilà, tu sors des mains gauches pour les couteliers, les machins, les bignots. Moi oh, je vais changer pas. Le... Il va falloir que j'aille chercher du charbon. Pourquoi ? Parce que ça me coûte... On a plus que 2 de charbon. I just know this year will be a breeze. Merde. On va faire ça, voilà. Mais... Main gauche. Ah non, c'est shift. J'ai un abruti. Oui, je vais enlever le renfort sur cette armure pour lui mettre le renfort colossal. Voilà. Et l'autre renfort colossal, tout le monde aurait envie de hurler au scandale en disant « Os de barde, os de barde, os de barde, os de barde !» Mais j'ai envie de les mettre sur ma vie. Je m'en doutais. Bah, parce qu'actuellement, elle a des renforts du cerf. Ouais. Donc c'est juste de l'armure et que potentiellement ça va lui faire la différence en termes de force. Et ça lui ouais. A tout enlevé. On est d'accord ou pas? Mm-hmm. Ça part sur ça. Ça part là-dessus. Boum. Voilà. J'ai ça lui a donné plus 12 de force. Par contre, il m'affiche toujours 59. Il est con ou... Toujours 59. Bon, elle a toujours 59 de force visiblement. Ça n'a rien changé. Par contre, ah ouais, plus 12 sur un mort, 18% de critique. Oh là là. C'est sale, hein. Ça tâche un peu. Excuse-moi. Tac, 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 tac. Si tu veux lui racheter du bon char, monsieur, tu peux, hein. On en a plus. On a plus de quoi ? De bon char ? J'ai oui, tout justement, c'est pour ça que je te dis, si tu voulais l'en racheter pour qu'on ait du stock, y a pas de soucis. Bah, après, c'est bien de pas avoir de stock, on est un peu lourd. C'est quoi le problème ? Je vois pas de quoi tu parles. On est un peu lourd. Nous ne comprenons pas de quoi vous voulez parler. Alchimie. C'est l'heure de l'alchimie. L'alchimie. Baume infectueux, antidote, bombette à main.
Non. Il me faut des écailles de crocopore. On en a normalement. Ouais. Ah, mais il va falloir les faire rapatrier. C'est ça. Bah, vas-y. Hein. Faut sortir. Vas-y, hein, tu peux maintenir le clic aussi. Ouais. Comptoir. Coffre. Écailles de crocopore, elles sont là. Je ramène les 12. Ça m'a coûté 50. C'est bien 50. Je pense qu'on fera aussi un petit repos dans la ville. Comme ça, on fera descendre un peu notre barre de suspicion. Et de toute façon, on n'est pas loin de... Et on allégera notre quantité de bouffe, c'est ça aussi que tu veux dire? Ouais... Mais c'est pas ça qui pèse loin, c'est pas ça, hein. Tu sais, hein. C'est pas la bouffe qui nous pèse, c'est vraiment la marchandise. Nourriture, on a presque rien, on a que 38 jours de nourriture sur nous. Ouais, c'est si peu. Presque. Je comprends, c'est si peu. Une picadille, hein, si tu veux mon avis. Hein. Une picadille. Et Sophia. Ah, tu vois, il y a un petit truc qui est dommage, c'est que les couteaux, pour moi, sont mieux. Les couteaux de base sont mieux que les couteaux empoisonnés. Pourquoi ? Parce que les couteaux de base, eux, ignorent l'armure, les couteaux empoisonnés, eux, non. Ah, ok. Ouais, après t'as l'effet poison qui va ignorer l'armure quelque part. Ouais, et c'est 5% de la vie de ma... C'est 5% de la vie de... Ouais. Oh, c'est rigolo quoi, de toute façon c'est pour jouer avec. C'est hein. Ouais, c'est pour jouer un peu. Eh bien, repos. Moi j'ai terminé repos, de repos, hein, je pense, d'ailleurs on va rajouter de la carcasse là. Ah oui, on a de la carcasse aussi qui doit commencer à peser un peu. Hein. 17 x 2, 34, ouais. Et moi j'en ai encore 6 x 3, 18, ouais. 34 et 18, ouais, bah ouais, t'as déjà 60, 62. Ouais, d'ailleurs, 62, faudra que je te refile 3 carcasses pour faire contrôle, mais bon. Mm. Ouais. Mais après ce repos-là, ne serait-il pas temps de dire au revoir à YouTube? Ça va faire quoi, 50 minutes? Je ne sais pas. Pour le coup, c'est toi le maître du temps. Ah ouais? Non, ça fait 47 minutes. 47 minutes? On peut pousser jusqu'à la prochaine ville. La petite ville. On peut faire la petite balade jusqu'à la prochaine ville. Voilà, avec les 12 combats sur la route. Non. Allez, on se met un petit peu de bonheur. Mouvement augmenté de 1, c'est peut-être pas nécessaire. C'est un peu des caisses pour pas grand-chose. Durée de course jusqu'au prochain repos 10%. Oui, on peut s'en mettre un. Vas-y, on s'en met un. Du poulet braisé. On a du poulet braisé. Mettons-nous un poulet braisé. Et un morceau de viande. Un petit morceau de viande. Un petit morceau de viande. Voilà. Ah, tu sais quoi, même? Non, ah, on a beaucoup, eu... ça. On a eu une picole au précédent. Non, je nous mets un petit... voilà. Ah, ok. Petit chanvre tranquille qui donne un bonheur, quand même, à la troupe. Ok. Plaisir, hein. Oh, on va être ric-rac en argent, en fait. Faut vraiment qu'on aille vendre, hein. Régime alimentaire non respecté. Ouais. Moins 2. On n'a pas mis de viande. Enfin, si... non, on n'a pas mis de... d'alcool. Bah, normalement, c'est moins 1. Ouais. Mais peut-être que là, c'est parce qu'il y a sevrage tenté. Ah. Ah, Edenal. Edenal a des choses à nous dire. Non, c'est pas Edenal. C'est le chef cuisinier? Oh. Ouais. Si je continue à ce rime, je tiendrai pas longtemps. J'ai encore mal aux côtes et ma vision est toujours aussi trouble. Prime de risque, sûrement pas. Relation avec les compagnons proches, sûrement pas. Bah, je pense qu'on va prendre une petite fatigue avec moins 5 de bonheur. Vas-y. Et tu sais quoi? On peut même la compenser maintenant, genre, on mange. On mange, on se fait une pause. Vas-y. Hop. Je tape un bout de bois ici. Je nous refais un gueuleton avec la taxe, avec des trucs de base. Excuse-moi, rends-moi ça. Paf, ça comme ça. Un poulet, on a dit. Allez, re un chanvre. Deux côtes de porc.
Qu'est-ce qu'on se met? Un champignon. Un morceau de steakos. Voilà. Et là, normalement, c'est moins 1. Parce que j'ai que la picole qui est pas respectée. Alors, pourquoi moins 2? Votre trou... Bon, ok. Du coup, c'est moins 2. Stevillon et Denals s'en sont améliorés. Hein. Ouais. Moins 2, ok. Et là, t'as gagné 276 d'XP. Avec ma vie. Ça sauce. Ah, d'ailleurs, on n'a pas regardé combien avaient rapporté les ours en fight. Hein. Ouais, bah, j'ai pas pensé. Ah, là, tiens, on... d'ailleurs. Paf. 1, 2, 3. Tac. Tac, ici. Hop. 1, 2, 3. Hop, tu retournes ta 3 cuillères à faire. Ça nous allège un peu. On est presque mobile. Hein. Presque. On va devoir déposer quand même 2-3 trucs. Est-ce que tu veux qu'on refasse une pause sur place? Non. Non, non, ça va, ça fait... Bah en vrai, ça fait descendre la garde, hein. Ça fait descendre la recherche, ça fait augmenter notre connaissance. On a, masses, franchement, hein. On a de la bouffe, hein. C'est pas un souci, hein. Ça fait pas des masses descendre, hein. Regarde, on était à 260... Ouais, mais regarde, ça nous fait épuiser, ça nous fait passer nos carcasses, donc ça nous allège. Ça nous allège, ouais, en faisant descendre la bouffe. Ça nous augmente nos connaissances, puisque t'as Mélanine qui augmente nos connaissances, et ça fait XP nos deux traînes savates. Et d'ailleurs, il y en a une qui va pas tarder à passer niveau 10. On va peut-être même pouvoir changer, d'ailleurs. À deux nuits près. Il lui faudra une nuit de plus, mais à deux nuits près, ça passe. Hein. Ouais. On s'entend une ou pas? Allez, vas-y, on s'entend une. Elle a dépassé le crew de base, hein, au passage, hein, ma vie. Elle a explosé le crew de base. Mais non, le crew de base, ils sont niveau 10. Que dalle, ils sont tous niveau 9. Comment ça? Je sais pas où tu regardes. Ah. Oh putain, ouais, on est niveau 9. Ah ouais, putain, on est niveau 9, quoi. Oh putain, Mavic sera la première à être niveau 10. Ça. Mavic the best, en fait. Ah oui, donc vraiment, on se tape que des gens qui ont plus de niveau que nous, hein. Ouais, c'est parce qu'on est normal, ça. Oh putain, vraiment. Bah let's go, hein. on se la remet, on se remet la même, hein. Hop, on prend les mêmes, on recommence, tiens, on se claque des poulets, poulet, into champignon, ah oui non, on avait, attends, into chanvre, into champotte, into un steak, voilà. Moins deux, ouais. Voilà, 307 de pex et on a gagné un point de co, voilà. Ouais. Et on est quasiment mobile à 8 près. Et Siliana a des choses à nous dire. Siliana, enfin, non compliqué, a quelque chose à nous dire. Attends. Ok, allez, on est parti. C'est bizarre, il y a un truc qui ne passe pas dans ce repas. Ça ne fait pas comme. Ça me fait comme un poids sur l'estomac. Il faudrait peut-être que j'aille faire un tour dans les buissons. Se reposer, lutter, courir. Quoi? Pourquoi courir? Ah, se précipiter dans les buissons, ok. Bah on va courir, hein. Le moins 50% de fatigue et le moins 4 de points de bravoure, c'est un peu chaud. Oui, c'est moins pénalisant. Et il y a une blessure. Oui, en fait courir c'est une vraie solution dans la vie, hein, avant que vous trouviez ça drôle. Oui, ça te fait travailler les tripes. Voilà. Non, moi je trouvais pas ça forcément drôle. Attends, non, j'ai deux peut-être que les gens ont peut-être trouvé ça drôlesque. Enfin, drôlesque, tout du moins atypique, un peu étrange, mais... comme marcher, ça te fait travailler l'estomac, quoi. Bah, c'est pareil. Le point de co. On claque ça où, quoi, comment, quand, pourquoi. Vous avez 2 heures. On l'économise. Économie. Ouais, économise. On l'économise et la connaissance. Le problème, c'est que là... Il faudrait qu'on ait... Alors, on va pousser jusqu'à la prochaine ville. En étant surchargé. Faut qu'on dépose des trucs. On peut déposer le bois, non? On peut tout à fait déposer au moins la moitié du bois. Hein. Bah, si. Ouais, sinon, si on pose le bois, on pose le métal. Hein. Bah, attends. Je pose 32 bois pour voir. On est bon. Eh ben. Reprends même. Peut-être garde-nous 40 bois, je vais poser un peu de... Attends, vas-y, je vais inspecter le cas. Je vais poser un peu de métal dedans. Je vais poser un peu de métal, du coup, dedans. On va essayer de garder 42... Pourquoi il veut pas? Il veut pas poser parce que je passe pas le barbelon anglais? Est-ce qu'il faut que je le mette dans mon inventaire avant? Ouais.
Ah, ça c'est un peu con. Ça c'est un peu con, les gars. Ta 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 ta. On va en garder. J'en pose 20. Il nous en reste 46, on est pas trop mal. Tac. Voilà. Bon, après, je pouvais te refabriquer peut-être des couteaux de base, etc. Aussi. Non, c'est bon, t'inquiète. Non, t'as ce qu'il faut pour l'instant. Okay. J'ai ce qu'il faut. Et je voudrais qu'on ait au moins 200. Oh putain, non, on va être très très, très short. Hein. De quoi? Attends. Je vais, 200, aller... quoi je vais aller faire un petit truc à la forge. Vite teuf. Ouais. Parce que j'en ai fait pas mal en vrai. Without the vineyards, no need to circle new barrels. Voilà, comme ça au moins on a de quoi payer la troupe et le passage. Ok. On pouvait aussi vendre une marchandise, hein. Non, 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 on va essayer de rentabiliser ça à fond. En vrai, non, c'est alors, pas grave. Il y en a qui commencent à avoir une certaine valeur pécuniaire, dirais-je. Et tu vois, le repos, en vrai, il enlève pas énormément de... Non, 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 mais bon, ça l'a fait descendre attends, un attends, peu. Attends, attends, t'as des gardes qui arrivent, t'as des... Tu mets pas sur la route, toi, il est fou, lui. Alors, vu qu'il y a des gardes... Ah, remontons par ici, j'ai vu un champignon. Il y a des campements de bandits à taper aussi qu'on a toujours pas. Ouais, non, mais je voudrais vraiment aller à la ville. Comme ça, ça débloque une recette de cuisine et on peut peut-être récupérer des trucs. Ah bah voilà, tu vois, les keufs ils sont passés dans la forêt du dessous. Ouais, ouais. Il y a des bestioles là, il va falloir courir. Toc, 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 personne ne nous a vu. Hein. Oh, le flot de marchands. C'est invisible. On n'a rien exploré de cette zone, hein. J'ai une vague impression de... On n'a rien branlé. Ouais, on n'a rien branlé. On va avancer un peu. Tu prends l'iris, tu prends la couscous comme tu dis. Putain, j'ai cru que c'était des gardes. Oh, j'ai trop peur. C'est des marchands. Bonjour marchand. Est-ce qu'ils vendent des trucs qui t'intéressent? Non, je veux garder de l'argent. Ah, bah oui, mais moi, y a, par contre, il y a trois outils. Hein. Je prends les trois outils. Hein. Vas-y. Voilà. Campeur des jongleurs, on s'arrête, on s'arrête pas? Non, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Ah vraiment, on va à la next city terminée, quoi. Bah ouais, c'est une petite cité, donc... Ah oui, vraiment, même pas tu t'es arrêté pour ramasser une queue dalle. Rien à This inn is mostly a rest stop for travelers on their way to Marheim. Ce sera donc un chou farci. Ah, il fallait des poulets. Ouais, mais on a plus de chou, hein. Le chou, c'est pareil, c'est devenu un ingrédient légendaire rare. Doré même. Doré. Est-ce que tu veux chanter? Oui, bah, il va nous falloir faire un petit billet. Hein. Allez, hein. Allez. Puis peut-être un jour je deviendrai grand maître de la chanson. Hein. Dommage. 65 bullish. Pas mal, plus, avec... plus le saphir. Du coup, on peut t'acheter tous les choux farcis du monde. Critique augmentée de 10. Ah, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas. Tu veux en acheter? Bah, je peux pas en produire, donc j'en achète, hein. Ok. C'est pas moi. Tu vas... Il va falloir qu'on vende un truc. Bah oui. À un moment donné, c'était le projet, hein. Ouais, mais pas ici, en fait. Je voulais pas forcément vendre ici. Tu voulais vendre quoi? Ou quoi, 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 quoi. Je voulais pousser encore plus. Je voulais pousser encore plus vers le nord. Il y a plus de ville, normalement, après. Si, si. Ah, ils ont donc rajouté une cité. Ils ont rajouté une cité, tu vas adorer d'accord. Ça. D'accord. Eh ben, écoute, je te propose forgeron, de prendre. Des à nous dire forgeron, je propose de prendre tous les matériaux bruts et tu vends une ressource qui vaut cher. On n'a rien besoin de lui vendre. Si. Bah, si, il va falloir qu'on. Alors, des gemmes à 159, ça vaut rien, mon monsieur. Des gemmes à 159, j'ai l'impression. C'est acheté à 90. Ça vaut quand même son billet. Fourrure 106, fourrure, ça a été acheté à 67.
Ouais. Il faut qu'on ait à peu près 600 gold. 540 pour être exact, pas plus. Voilà, c'est bon. C'est bon, tu les as. Voilà. Faudrait quand Ok. même que j'apprenne ma recette. Vous me permettez. Boum. Le chou farci a été appris. À l'occasion, le jour on a des choux. Ouais, le Jour jour on où a on des a des choux poulets. et du poulet, sachant que tu peux les monter à 15%. Allez, suis-moi maintenant. Oh, c'est la fin de la vidéo, hein. On avait dit la ville suivante. Non, 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 non. Ah. On s'arrête ici, là, sur un coin de pêche. Voilà, comme ça YouTube peut admirer le lieutenant. Oh là 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 là. Admirer ce lieutenant dans sa tenue de pêcheur. Dans sa tenue de pêcheur. Lourde. Allez, au revoir ton... Ah, au revoir ton tube. Le bisou.